Yo les amis, c'est InGame et Recté, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc, quatrième journée de Ligue 1 contre le FC Metz. Voilà, c'est parti. On va jouer avec le... Quel maillot? On va jouer avec le maillot... Ouais, troisième maillot. Voilà. On va jouer contre cette équipe de Metz. Qui je pense ça va être facile à gagner. Une large victoire je pense. Voilà. Mais là dites moi si vous voulez que je sur Fortnite je fasse des lives ou des trucs comme ça, clavier souris. Donc voilà, donc là déjà on va commencer ce match contre le FC Metz. Journée 4 de Ligue 1 à Metz. Donc Football Club de Metz contre le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani, déjà la passe en profondeur qui est magnifique pour Kylian Mbappé. Oh là là, l'arrêt du gardien metzois. Je sais pas si on dit comme ça mais Sarabia. Oh non, ça passe à côté. La frappe de Di Maria. Diallo, quel ballon. La récupération de Sarabia. Et la récupération de Diallo également aussi. Marquinhos. Sarabia. Et cette action du PSG qui était gâchée en plus par un jeu de Ganegay. Neymar Junior. Kylian Mbappé. Cavani. Oh, le but de Cavani à la 19e minute. Et la célébration de Cavani. De Abou Diallo. Il me semble que c'est Abou Diallo. Pablo Sarabia pour Kylian Mbappé. Okay, attention Kylian Mbappé et le dégagement de je sais pas qui. Kylian Mbappé pour Neymar. Neymar non et c'est la récupération des Metzois. Et la récupération de Kylian Mbappé, attention. Il va lancer Di Maria. Di Maria qui va lancer de Sarabia, attention Sarabia. Attention Sarabia, il n'a plus d'option là. Pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et l'arrêt du gardien metzois Sun Tzu. Ouh, la tête de Thiago Silva. Qui arrive dans les mains de Sun Tzu. Sarabia. Oh, attention. Et faute. Ça va être un très beau coup franc là. Neymar. Et l'arrêt.
Monsieur Mbappé. Mbappé qui se balade un peu sur le terrain. Et ça lui a coûté de se faire prendre le ballon. Attention, c'est très grave là ce qu'il a fait Mbappé. Voilà. La récupération de Ganagay, heureusement. Sarabia. Bon, Real Di Maria, attention. Et le dégagement des Metsois. Touche, Kurzawa. Et Neymar qui la sort. Neymar, Kurzawa, Sarabia, Mbappé. Attention, pour Thomas Meunier, qui passe à Ganagay. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ah, c'est la mi-temps. Déjà la mi-temps ici à Metz. Pas si facile que ça finalement. Attention qu'il a Mbappé. Attention! Oh! Le poteau et le but! Le but de Pablo Sarabia! Eh oui! Et le dégagement des Metsois. Et ça sera un corner. Attention, Di Maria la frappe. Le prochain match des Metsois sera le Girondin Bordeaux qui affrontera donc les Metsois. Attention, Cavani, Cavani et le but de Cavani! Le doublé, je crois, de Edinson Cavani. Je crois que c'est le doublé. Oui, le doublé d'Edinson Cavani. Oh, attention, Diallo! Et la frappe de Diallo qui termine en pleine lucarne! Oh là là, quel rush de Diallo! Magnifique rush de Diallo! Alors là, les Parisiens sont dégoûtés de s'être pris un but comme ça. Mbappé a envie de marquer là. Il n'a pas encore marqué un but dans ce match. Et hors-jeu là. Hors-jeu d'Abou Diallo, oui. Marquinhos, Ganagay. Ah, Draxler qui est coupé. Attention, Mbappé sur le poteau. Et oui, Mbappé! Le but de Kylian Mbappé! Sa frappe qui avait terminé sur le poteau et il est revenu. Il a profité que le gardien était encore couché pour en profiter, donc pour marquer. Ah, il est content Mbappé là. Il doit être peut-être deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 à 5 buts en 4 matchs. C'est une machine de guerre. Ce sera un corner. Une zone Cavani.
Kylian Mbappé. Non, sur le poteau, il est maudit, Kylian Mbappé. Il est maudit, Mbappé. Oh là là, sur le poteau. Il est dégoûté, Mbappé. Touche. Alors, encore le dégagement des Metsois. Ils aiment bien le dégagement. Ok, d'accord. Je comprends pas pourquoi ils font que dégager. Peut-être un bug informatique, je sais pas. Attention. Il y en a gay. Cavani. Oh là là. Il s'est fait pousser la Cavani. Attention. Et la sortie du gardien. Ça sent un corner. Attention, Mbappé en profondeur, Mbappé. Et le doublé de Kylian Mbappé à la 92e minute. Oh là là, Kylian Mbappé, quel exploit qu'il vient de réaliser. Et quelle passe, surtout en profondeur. Magnifique passe en profondeur, 5-1. Ça fait très mal. Et c'est la fin de ce match. De la première à la deuxième mi-temps, ça a viré à la dégringolade. Et voilà. Donc les gars, on va voir si Mbappé est passé premier au classement des meilleurs buteurs. J'espère. Et oui, Mbappé, regardez, il est premier au classement des meilleurs buteurs. Et Cavani qui, grâce à son doublé, passe deuxième. Wabri Kasbri troisième. Tovin, voilà. Sarabia qui a la place de douzième. Après, les meilleurs passeurs, nous avons Sarabia avec 3 passes D. Mbappé, 3 passes D également. Cavani, 1 passe D. Gay, 1 passe D. Icardi aussi une passe D. Draxler aussi une passe D. Donc invincibilité. Donc Navas, 3 invincibilités en 4 matchs. Si contre Metz, il serait pas pris un but, il aurait été au classement. Carton jaune 1 par Cavani. Et c'est tout, voilà. Donc pour le prochain match, nous allons affronter Strasbourg. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. C'était Lenny Game. Et peace.